deuxième semaine du tournoi toute ronde. Chaque joueur rencontrera son adversaire au moins 3 fois et le gagnant jouera pour le titre mondial l'année prochaine. Mais la grande surprise, c'est le comeback de Peter Sanderson qui est aujourd'hui en tête de classement. Le grand maître européen, qui vit maintenant à Westport dans le Connecticut, avait suffoqué le public il y a 3 ans par sa brusque décision d'abandon dans le tournoi de champion du monde. Il avait en effet 3 parties d'avance et la victoire par forfait est allée à Victor Jurilevic, qui n'a que 2 parties de retard sur Sanderson dans ce tournoi-ci. Félicitations, Monsieur Sanderson. Merci, Mademoiselle Rockledge. Vos horaires pour demain. Papa ! Hé, hey, salut, toi ! Félicitations, papa ! Merci, ma chérie. Mon fan club a suivi. Toi, tu joues à l'anglaise. Lutz fera pas ça. C'est l'ouverture de sa première partie. Et il sait que tu ne l'as pas oublié. Alors, je transposerai. Trouve une variation, oui, mais n'oublie pas qu'il faut qu'elle soit inédite. Je parie que t'as déjà la bonne réponse. Bien sûr. Tu te débarrasses du cavalier. Le fou prend le fou. Le pion, le pion. La tour, là, échec à la reine. Tu as l'avantage. Avec la mobilité de tes fous, il est fouté. L'idée est bonne, mais risquée. On ne gagne pas une partie en pantoufles, Peter. Papa!